Salut à tous à la salle, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter ce qu'on appelle la course dragon. Alors son nom vient du fait que vu de loin, le stunt qui se trouve au milieu représente un dragon. Alors vous allez voir, la course, elle n'est pas parfaite. Elle a ses petits défauts, comme la plupart des autres. Par contre, quand on la fait à plusieurs, il y a vraiment un bon challenge, parce qu'en fait, le stress peut vite vous faire rater le dragon. Donc là, ça commence doucement. Vous allez voir, il y a un petit saut au début qui est loin d'être parfait lui aussi. Donc si vous le prenez de pleine face, vous allez décoller bien haut et donc vous allez perdre un temps fou. Du coup, l'idéal, c'est soit de le contourner, soit de prendre que le début du saut. Donc perso, je me suis complètement raté. Je vous mets le lien de la course dans la description de la vidéo et je vous lance un petit défi par la même occasion. Si vous la mettez en favori, je vous mets au défi de faire un meilleur temps que moi, que ce que j'ai fait là. Sachant que je me suis foiré à plusieurs endroits, donc vous pouvez largement faire mieux. Et une fois que vous l'aurez fait, venez mettre le temps que vous avez fait dans les commentaires. Même si vous faites pas mieux, jouez le jeu et mettez quand même votre temps. Alors là, c'est le fameux dragon, donc quand on est seul, il est pas trop compliqué, faut juste pas trop bourriner et bien rester concentré. Par contre, quand vous serez plusieurs, ça va pas être la même. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis bonne course et à la prochaine. Ciao ciao!